On va regarder un sujet concernant des jeunes, un jeune notamment qui s'appelle Marceau, qui a monté seul sa radio avec ses propres moyens. La radio s'appelle Maxi FM. Regardez le sujet qu'on a tourné. Maxi FM, regardez. Maxi FM, une radio une radio musicale. Depuis le mois de novembre, nous avons démarré. Ça fait bientôt 10 mois. Maxi FM fait peut-être son petit bonhomme de chemin, gentiment, sans crise, sans bruit. On va la présenter, puisque nous avons actuellement plus de 8 animateurs, dont le matin, les matinales avec moi, 5h, 9h. Régine qui vient prendre la suite à 9h jusqu'à 13h. Une petite scissure entre 13h et 14h où nous écoutons rire et les chansons sur Maxi FM. Et puis nous avons juste après Jean-Marc qui vient toujours en musique vous bercer l'après-midi jusqu'à 16h où le roi Arthur arrive. Arthur, vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Le roi Arthur, c'est lui qui fait bouger un peu les jeunes le soir entre 16h et 17h. Tu proposes ton programme et tu l'écoutes sans aucun problème sur Maxi FM. Et puis la suite, ce sont des thématiques à partir de 19h jusqu'à minuit. Et de minuit à 5h du matin, programmation libre, où c'est notre circuit qui prend la place pour mixer le meilleur de la musique. Quel est le statut de Radio Maxi FM? Est-ce que vous êtes à but commercial? Est-ce que c'est la pub qui vous fait vivre? Ou alors est-ce que vous êtes une radio associative? C'est vrai que nous sommes une radio associative. C'est vrai aussi que c'est la pub qui nous fait vivre. C'est vrai que nous n'avons pas demandé les subventions un petit peu du fonds de radiophonie que tu connais d'ailleurs. Nous n'avons pas demandé ça et donc nous vivons que par la pub. Donc nous sommes une radio associative avant tout. Marceau, pour ces vendredis, en 15 secondes, comment tu pourrais vendre ta radio pour que les auditeurs d'ATV puissent écouter les 107.3? Radio jeune, dynamique, avec une équipe sympathique, écoutez Maxi FM, la FM qui fait le maximum, le meilleur de la musique.